Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Fantabob Games pour une nouvelle série de Resident Evil 6 avec Fanta. Bonsoir Fanta. Salut à tous les amis, ici Fantalien, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis avec Bob pour Resident Evil 6. Excellent, regarde, j'appuie encore sur le bouton, on entend Resident Evil 6. Resident Evil 6. Ah, je crois qu'il allait le dire là, on a juste vu la girafe Potam faire des pop shops à une pauvre Natale. Alors tout d'abord je voulais m'excuser pour la petite le petit cul de Chéri. On avait malheureusement pas pu avoir une belle vue de Chéri dans son outfit, tu sais, de pas d'infirmière mais de bah dans son petit jean bien moulé. Ouais, non mais c'est même pas le jean bien moulé. Moi j'ai une surprise, chers amis, parce que j'ai refait la campagne de Jake et Chéri afin de débloquer tous les emblèmes à la con. C'est ce que j'ai fait avec la campagne de Léon. J'ai fait ça avec la campagne de Jake. Sérieux. Mais j'ai pas touché aux deux autres campagnes, celle d'Ada et de Chris. On va voir ça ensemble. Par contre, j'ai débloqué la dernière figurine de la campagne de Jake, qui est la Chéri Birkin. Dans son petit outfit d'infirmière. Alors déjà on commence une vidéo très très fort avec ça, hein. On fait plaisir aux viewers, hein. C'est... Exactement ça, ça fait plaisir. Et on se rend compte qu'elle est complètement plate, la pauvre enfant. Enfin bon, c'est pas très très grave. Et apparemment elle est assez vieille, hein. Elle a 26 ans, sauf qu'elle est complètement plate. Elle a une allure enfantine parce que elle a le virus G dans son corps qui a été anesthésié et qui a muté, ce qui lui donne, si vous vous souvenez, ses capacités de régénération de psychopathe. Mais ça lui donne aussi une longévité prolongée, ainsi qu'un jeune âge. C'est pour ça. Et enfin, là, on fait plaisir aux ladies ou à nos amis bicurieux qui nous regardent, hein. Jake avec son corps sculptural et musculeux, absolument formidable, moulé directement sur celui de Fanta dans sa prime jeunesse. Alors. Non, c'est toujours pareil. Allez, allons-y, j'ai envie de jouer. Ouais, c'est parti, campagne. Mais voilà, c'était juste pour le plaisir de vous montrer la beauté des choses. Alors, cop, non. Nouveau plus, il va sans doute me demander si je veux garder les anciennes armes ou quoi que ce soit. C'est pas grave, on prend la campagne de Chris. Ouh, attends, j'ai fait une connerie. J'ai oublié quelque chose, j'ai failli faire une grosse bêtise, chers amis. Excusez-moi, hein, c'est de ma faute. Pas grave, l'épisode sera un peu plus long rien que pour ça. Audio, parce que c'est une option qui a été rajoutée dans une mise à jour. J'avais mis les voix en anglais pour voir ce que ça donne, la campagne de Jake en anglais. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que les doublages français sont excellents. On le savait, hein, je veux dire, on les écoute depuis longtemps, machin, tout, mais il n'y a rien de trop nanar, rien de foireux. Les voix correspondent bien au physique des mecs. Je veux dire, non, mais sincèrement, pardon, le doublage français, Fanta, je tiens à en parler, mais il est tout bonnement et c'est lent. Alors, Chris, difficulté normale. Écran solo. Je vais prendre, selon votre conseil, chers amis, je vais prendre Pyres pour deux raisons. Primo, parce qu'apparemment, il est plus. Vous avez réussi à faire ça sans donc spoiler. Pierre, hein, Pierre, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, Pyres, hein, ou Pierre. Je vais prendre donc Pierre. Je vous remercie en tout cas parce que vous avez réussi à me convaincre, et sans me spoiler, hein, et ça, je vous applaudis pour ça, que c'était plus intéressant à filmer avec plein de surprises et tout. Et son arme spéciale est un fusil sniper anti-char qui balance des balles de la taille d'un bras de bébé. Et donc, apparemment, c'est plus attribué pour mon genre de gameplay. Munitions illimitées. Invitation, je sais pas. J'ai essayé les munitions illimitées pour aller plus vite dans le playthrough que je voulais récupérer tous les emblèmes, sauf que ça a pas marché du tout. Je sais pas comment ça marche, mais c'est sans doute pas important. Coop, privé. Commencer la partie. Création de la partie, on va inviter Fantalol. One of us. Allez, c'est parti. Sélectionné dans amis. Ouais, je suis ami avec Bob Lennon et pas vous. Oh, c'est ce soir. Il y a encore des mecs qui s'acharnent à m'envoyer des invitations alors que je les ai désactivés. En attente de Chris Redfield, moulé directement sur Fanfan, musculeux, grand, beau. Ma femme me le dit pas souvent. Oh, mais ça fait marrer parce que en termes de corpulence, il correspond plus à toi que Pierce ne me correspond. Je suis encore plus maigre, faut pas déconner. Je rejoins, normalement c'est bon. Acceptant l'invitation, oui. On est d'accord.
Ok, c'est parti. De toute façon, ils ont déjà vu l'introduction de Pierce et Chris dans la vidéo précédente. Hein. Mais pour ceux qui ne s'intéressent qu'à cette campagne, on va la laisser, on va se taire et puis on va laisser tourner. Peut-être dire une ou deux conneries, n'hésite pas. Et en attente de l'autre joueur. Une ou deux conneries. Ça y est. En attente de l'autre joueur. Ça y est, il a rejoint. Et c'est parti. PSSA. Bullshit super anti. Organisation. Bon, ça passe pas. Bullshit. Ah, c'est bullshit super anti-attardé. Non, ça passe pas. Sur ce, 29 juin 2013, Europe de l'Est. Europe de l'Est. Russie. Non, je déconne. Ça n'a rien à voir. Ça a l'air bizarre ce qui boit. On dirait de la glu. La même chose. Ah oui, c'est vrai. Ah, donc il y en a qui ont vu ça dans le dernier épisode. Oui. Ceux qui sont restés après le bullshit de la fin. Tout à fait. That's tech. Om nom 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 nom. C'était la caméra cachée de Marcel Béliveau. Ah oui, c'est ça. Chez nous. C'est clair, c'est ça. Surprise, surprise. Exactement. Et voilà, je vois bien le Chris regarder Pierce et faire « Désolé, je suis pas de ce bord-là, et c'est dragué ailleurs. Enfin, » Remplissez-le. Vous avez assez bu. Écoute, ma belle. T'es là pour remplir des verres et pour sourire. Et on a une idée de pourquoi il a perdu la mémoire. Attends. Oh ! Si vous foutiez le camp de mon bar. Avec toute votre équipe de tournage. C'est ça. Et je me pose la question, Europe de l'Est. Mais ils parlent un français parfait, les gens. Tu sais, elle a même pas un accent. Ouais, mais comme dans tous les films. Et si vous foutiez le camp de mon bar. Ah bah voilà, tu vois. La dame vous a demandé de partir. Oh, je m'en vais, enfoiré. Comment il a même pas l'air forcé. Chris Redfield en train de se saouler dans un trou pareil. Mais ça veut dire que ce mec là qui vient d'aligner sur la table fait partie de son unité aussi. Vous êtes qui vous? Faut savoir, si vous voulez pas entendre nos commentaires sur cette cinématique, je crois que dans le précédent épisode on dit moins de merde. C'est ça. Ça me dit rien. Ça non plus? Ça vous dit rien? Ça veut rien parce que Pierce Nivans il a les mêmes initiales que moi. Vous vraiment de rien, on dirait. C'est quand même la classe. Ah oui, c'est vrai. Bio. Du bioterrorisme. Ah, ah, il manquait le papier cul dans les toilettes. N'échappez pas à votre passé, Chris. C'était du terrorisme bio. Et quoi que vous fassiez. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Marrant, quand on a des flashbacks, ça fait vibrer la manette. Regardez, c'était vos hommes. Ils sont morts sous votre commandement. Karl Alfonso. Vous avez le devoir de vous souvenir d'eux. Si vous partez maintenant, ça voudra dire qu'ils sont morts pour rien. Ceci n'est pas un exercice. Bon sang. Je vous ai cherché pendant 6 mois. Et voilà ce que je trouve. J'aime bien parce que Pierce ressemble à Jason Bourne. Donc il est en train de faire des leçons il est en train de faire des leçons d'amnésie à Chris en fait. Bullshit Super Anti-Attardé Association. Le BSA. Ah non, c'est ça, Bullshit Super Attardé Association. Ouais. C'est là qu'est votre place. Tout le monde vous attend. Vous êtes dans les bureaux. C'est ça. Il y a les décors qui tombent. On va vous ramener, capitaine. D'une façon ou d'une autre. T'imagines, c'était la même scène, mais pas pour le BSSA, mais genre pour Reynolds, t'es l'entreprise qui fait des crayons. Tous ces gens sont morts dans l'usine à cause de vous. Vous devenez vous souvenir d'eux. Tu te souviens, le petit Jimmy, il faisait des stylos bleus. Et lui, les stylos rouges. Tu dois revenir à l'usine. Tout le monde t'attend au syndicat. Le truc complètement craqué, tu sais. C'est parti, mon kiki. Je dois affronter la réalité et mes responsabilités. C'est la seule façon de retrouver ma mémoire et la seule façon de récupérer ma vie. QG Alpha, pas de changement dans la mission. Ok, c'est parti, les filles.
tout en vous dirigeant vers le point As de pique. On va au point As de pique, Fanta. T'es prêt, mon cœur? On va les mettre sur le carreau. Ouais. Non, si. Si, si, c'est bon. Pardon. Blague moisie. Ouais, bon. C'est bon. Ok. Hop là, yeah, je saute dans le vide, je suis vachement musclé. C'est parti. Par contre, Fanta, pour ce playthrough, ça a l'air d'être un playthrough qui est hautement psychologique, ne serait-ce que pour Chris. On la bouclera, ne serait-ce que pendant les scènes, les belles cinématiques. Fusil anti-char, mes salopes. Fusil anti-char avec lunettes thermiques, s'il vous plaît. Fusil d'assaut. Alors tu remarques que tu as deux modes sur ton fusil d'assaut. Tu as un mode full automatique et un mode à coup par coup. Reste en coup par coup, sois précis, ne gâche pas tes balles. Comment je fais pour changer? C'est triangle quand tu vises. Ouais, mais là ça change rien, je peux pas. J'ai pas le choix, moi. Par contre, je suis pas précis pas. Du tout. Je crois que j'avais prévu un set de compétences pour ça. Moi j'ai qu'un seul. C'est du bullshit ce que tu me dis. Moi j'ai qu'un seul mode de tir. C'est-à-dire, t'as qu'un seul mode de tir, toi? Ouais. C'est triangle, ne change absolument rien. Ah bah ma précision, elle est pas augmentée du tout. Ah bon, t'es sûr? Mais Oui. Comment s'appelle ton fusil d'assaut? C'est... Moi, c'est un MPAF que j'ai. Moi, c'est ST. D'accord. Fusil d'assaut ST. D'accord, donc forcément... D'ailleurs, moi, c'est un fusil d'assaut qui utilise des balles de pistolet. Pierce. T'es où? Tout en bas, il faut descendre. Écho à QG. J'y vais. Ennemi détecté aux 3 de carreau. Bien sûr. On va donner l'assaut. J'y vais. QG bien reçu. Je t'ai perdu moi. Je t'ai pas suivi dès le début, j'aurais dû en fait. Hein. Voilà. J'aurais dû. Viens, beau gosse. Allez, viens. Ah oui, pardon. Ok. Space Marines. Yeah. Fuck the police. Parcel Billy Boo. S'il vous plaît, est-ce que vous avez pardon un commentaire? Excusez-moi. Cette épidémie est-elle liée au problème survenu aux États-Unis? Je peux en mettre des taquets? Le BSA est-il également impliqué là-bas? Regardez ça. Ah, j'arrive pas à lui mettre une petite balle dans la jambe là. Moi, je trace. Hein. Allez, tirez-vous. Go. Pardon. Ah, je l'ai taclé l'enculé. Regarde, on peut sauter par-dessus les... Les... Ouais, c'est pas le moment. Waouh. Waouh. Ok, ils sont là. Explosion gratuite Capcom. Alpha, suivez l'itinéraire 9 au lieu de l'itinéraire 4. Il faut que vous traversiez le bâtiment. Eh, barre-toi. Go! Go, Fanfan! On gère. On se reste ensemble surtout. On reste ensemble et surtout, dans ce playthrough, il va falloir utiliser les couvertures très souvent, Fanta. Nos adversaires vont se battre. Comme on est au taquet. Couverture, Fanta, couverture. Tu te souviens comment on fait pour utiliser une couverture? R1? Ouais, tu vises. Non, c'est L1. Tu vises en fait lorsque tu es au bord d'un mur et ton mec va se mettre en couverture tout seul. Ah, j'ai un sigle. Ah bon, déjà? Où ça? Le serpent, là. Où ça? Ah, bien joué, très bien joué, Fanfan. Oh. Donc tu m'as dit L1? L1, regarde, quand t'es au bord d'un mur. Ah, contre un mur, ouais, d'accord. Exactement. Et ah oui, important aussi, Fanta, quand tu appuies sur L1 pour viser un ennemi, tu tires, si tu appuies un coup sur X, ton gars se baisse. Alors il se baisse très rapidement, mais ça te permet d'esquiver la plupart des attaques. Essaye un coup. Tu m'as dit X? Voilà, tu vois, hop, il se baisse. Et c'est pratique pour esquiver par exemple les coups de Lustanac ou autre. Accessoirement aussi, quand t'es en couverture, tu peux te baisser et rester baissé. Donc c'est important pour te mettre en couverture contre des caisses, tout ça. On est en train de... Ow! Ça commence à chauffer. Demande de renfort immédiat. Bien reçu. QG à Charlie. Hop. Allez, des bravos aux 4 de cœur. Ok. Ça tire par là. Il tue tout et tout le monde. On peut pas raisonner ces ordures. Hop. Alors attends. Oh merde, putain, j'ai perdu le signal. Ok, c'est bon. Dis-moi, tu m'as dit L1? L1 pour viser. Tu vises contre un mur pour te coller contre ce mur. Et lorsque tu es contre une caisse. Et lorsque tu es. Bah, c'est tout. Après, tu sais, tu utilises gauche ou droite le stick pour te déplacer contre ce mur. Regarde, attends, annule. Essaye contre ce mur là. Le mur contre lequel je me tiens.
Ok, alors celui-là, voilà. D'accord. Et quand ton mec va arriver au bord, il va arriver au bord, et si tu appuies encore sur gauche, il va se mettre à viser. Tu vois, imagine, je suis le bord. Et bah, si tu appuies sur droite, ton mec se mettra à viser, puis dès que tu relâches droite, il va se remettre en couverture. Ok, on va voir, on va voir. Important aussi, Fanta, c'est quand tu es en face d'une caisse, par exemple, je sais pas si tu me vois, genre par exemple, je me colle, il se collerait pas contre la caisse, il se mettrait à viser. Tu te baisses, et là, il se colle contre la caisse. C'est à ça que ça sert de se baisser comme ça. Entendu. Voilà, allez, go. Oh! Headshot. À mon avis, c'est un gros méchant. Ah, mais il fait plus que soigner, là. Il est mort. C'est moi ou Fanta t'a pas tiré une balle? Bah non, j'ai vu que tu y allais. Je l'ai déglingué, le machin. C'était une exécution. Je peux pas être plus... précis. C'était une exécution, ça, mademoiselle. Bon, allez, on avance. On avance. Cours. Il est avec nous, ça. C'est sûr ?